Hallelujah. Can we have our seat, please? Pouvons-nous asseoir, s'il vous plaît? Quickly, in 20 minutes, rapidement, en 20 minutes, I want to sow a seed in your life that will change your life forever. J'aimerais semer une semence qui va changer ta vie éternellement. The uncorruptible seed of the word of God, la semence de la parole de Dieu, is able to change your life and establish your destiny on a new level. C'est capable de changer ta vie et t'établir dans un nouveau niveau. Let me say it again. Que je le répète. It is able, c'est capable, to change your life, de changer ta and vie, and to establish you on a new level. Et t'établir dans un nouveau niveau. I want to start by saying this. Je vais commencer en disant ceci. And if there is nothing that you will take out of here, take this. S'il n'y a rien que tu puisses garder en toi aujourd'hui, remarque quand même ceci. The instruction of the spirit that you decide to obey, l'instruction de l'esprit que tu décides d'obéir, will establish and determine the future that you have decided to create. Va déterminer et établir le futur dans lequel tu veux te trouver. Let me say it again. Que je le reprenne. The instruction of the spirit, l'instruction de l'esprit, that you decide to obey, que tu décides d'obéir, will determine the future that you are going to create. Va déterminer le futur que tu vas créer. In 2005, en 2005, I was in South Africa. J'étais en Afrique du Sud. And the Lord gave me an instruction. Et le Seigneur m'a donné une instruction. The Lord told me, get ready, you are going to Cambridge. Le Seigneur m'a dit, tiens-toi prêt, tu iras à Cambridge. That was a dream. It wasn't even a dream. This kind of word, you perceive it as a nightmare. Ce genre de parole, en fait, tu le reçois comme un rêve. For me, it was equal to say that tomorrow you are going to the moon. Pour moi, c'était comme si on me disait, demain tu iras sur la lune. But I decided to obey that instruction. Mais j'ai décidé d'obéir à cette instruction. And the Lord added something very crucial to that instruction. Et le Seigneur a ajouté quelque chose de très crucial à cela. Cambridge, for the past 5 years, has been ranked as the best university in the world. Cambridge a été classifié parmi les meilleures, the best university in the world for the past 5 years. Est reconnue comme la meilleure université dans le monde entier durant il y a de cela 5 ans. For the past 5 years. Les 5 dernières années. To get into Cambridge, aujourd'hui, to get into pour avoir accès à l'université de Cambridge, you have admission requirements. Tu dois avoir les nécessités de conditions d'admission. Les conditions d'admission, merci. And if you don't meet any of those, et si tu ne remplis pas une de ces conditions, you are just out. Tu es juste exclu. Because they don't beg you. Parce qu'on ne te prie pas là-bas. The Lord gave me this instruction. Le Seigneur m'a donné cette instruction. You will not do the English test to go to Cambridge. Tu ne vas pas faire le test d'anglais pour aller à Cambridge. That is not an instruction, that is madness. Ça, ce n'est pas une instruction, c'est une folie. Because you don't have an English test, you don't get in. Parce que si tu n'as pas un test d'anglais, tu ne peux pas avoir accès à l'université. Especially when a French speaker like me. Surtout pour quelqu'un qui parle français comme moi. I studied in Ngwekele. J'ai étudié en Ngwekele. BMAC High School. Au lycée de BMAC. Then no. You have no proof that you speak English. Then you don't get in. Là-bas, si tu n'as pas la preuve que tu parles anglais, tu peux pas avoir accès. The Lord told me no test. Le Seigneur m'a dit pas de test pour they toi. They gave me the admission. On m'a donné l'admission. Condition upon the language test. Les conditions concernant le test d'anglais. Condition upon money. Condition that I should provide okay. Money to come. Les conditions également financières. And I told them thank you, but I'm not going to do the English test. Je leur ai dit merci, mais je ne vais pas faire le test d'anglais. You don't understand. Vous ne comprenez pas. This is an opportunity on a lifetime. You don't tell them that you don't do the English test. No. Ceci n'est pas c'est une opportunité dans ta vie. Tu ne peux pas leur dire que je ne peux pas faire le test d'anglais. That is madness. C'est la folie. That is how the instructions of the spirit are. Ça, c'est comme ça que les instructions de l'esprit sont. Sometimes they are madness. Parfois, elles sont semblables à la folie. The key to the madness. Mais la clé à la folie. And those who think that you are mad, now will become mad. Ceux qui croient que tu es fou seront alors tout fous. You don't understand what you are talking tu about. Tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de dire. Woo! Stay with us. Dis avec nous. Turn your Bible in the book of Romans. Ouvre ta Bible dans le livre de Romains. Romans chapter 8. Romains chapitre 8. Romans chapter 8 and we start verse 28 which is well known. Romains chapitre 8 qui est verset 21 qui est bien connu. 28 pardon. We start from there. Nous allons commencer par là. What does the word of God say? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? By the Holy Spirit. Par l'Esprit Saint. Paul says this. Paul dit ceci. And we know. Nous savons. And we know. Nous savons. What do you know? Qu'est-ce que tu sais?
What do you know? Qu'est-ce que tu sais? He said that, and we know. Il dit, nous savons. That all things work together. Du reste que toutes choses concourent. Yes, just read it. Just read it. Concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. And of those who are called. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. What is your conception? What is the things that you know? Quelle est ta conception? Quelles sont les choses que tu connais? You know, some people, when they read this, vous savez, quand certaines personnes lisent ce passage, what they understand is this. Ce qu'ils comprennent, c'est ceci. Is that something works together? C'est que toutes choses... No, something, certain things. Certaines choses fonctionnent ensemble. One thing works together for good. Une chose concourt pour le bien de toutes choses. No, the Bible says all things. La Bible dit toutes choses. In another version, dans une autre version, that is what it says. C'est ce que ça dit. The verdict version says, la version dit, that in all things, dans toutes choses, God is working together, Dieu travaille, qu'on travaille avec tout, for your good, pour ton bien. I want you to say to yourself, j'aimerais que tu dises à toi-même, that God is working together for my good now, que Dieu travaille pour toutes choses, avec toutes choses pour moi maintenant. No, say it again convincingly. Dis-le encore avec conviction. Because it is the conviction of your faith that causes God to move on your behalf. Parce que c'est la conviction de ta foi qui appelle Dieu à agir en ta faveur. Aïe, 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 aïe. Let's continue. Continuons. Verse 29, can you read it for us so that we save time? Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Amen. He said that those he have known, il dit que ceux qu'il a connus, he has predestined them. Il les a prédestinés. Can you have your seat, please? Because vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. You just stand up for the rest of them. Sinon, on va se tenir debout. He said that those he have foreknown, he has predestinated. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. And you have the consciousness of your predestination. As-tu la conscience de ta prédestinée? You know, sometimes the consciousness of our predestination is just what is going to happen after we are dying. Vous savez, parfois la conception de notre prédestinée, c'est ce qui va se passer après notre mort. Non. Il dit that so that we may be in the image of Christ. Il dit qu'afin que nous puissions être à l'image de Christ. The image of Christ, what does that mean? L'image de Christ, qu'est-ce que cela veut dire? It means functioning as Christ did function on the earth. C'est-à-dire fonctionner comme Christ a fonctionné sur la terre. The Bible says that as he is, so are we in this world. La Bible dit que comme il est, ainsi nous le sommes sur cette terre. It means that you have been predestinated to function, to manifest Christ's glory in your living state. Cela veut dire que tu as été prédestiné pour fonctionner et manifester la gloire de Christ dans ta destinée. You don't understand. Tu ne me comprends pas. You don't understand. Tu ne me suis pas. If you understood what I'm talking about, si tu comprends ce que je dis, you will not sit there and look at me as chicken that are waiting to be. Tu ne vas pas t'asseoir là et m'observer. Just looking like chicken that are waiting to go to be caught. No, you don't understand. Tu ne vas pas me regarder comme les poussins qui attendent qu'on aille les égorger. Non. Understand what I'm talking about. Comprends ce que je suis en train Because de dire. Because until you are fully persuaded of these things. Parce que lorsque tu es pleinement jusqu'à ce que tu sois conscient de tout ce que je dis, they will not be fully manifested in your life. Elles ne seront pas complètement manifestées dans ta the vie. The Bible says in the book of Romans chapter 4. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 4 that Abraham became fully persuaded. Que Abraham a été persuadé complètement. It's when Abraham became fully persuaded. C'est lorsqu'Abraham a été persuadé complètement. That the promises of God came to manifestation in his life. Que les promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie. We don't have time to go through it. On n'a pas le temps d'aller au Romains 4. Mais lisez Romains 4. It is evident that God gave a promise to Abraham 25 years before that promise came to come. Ce sont les évidences que la parole de Dieu s'est accomplie dans la vie d'Abraham 25 ans avant. No. Gave him a promise and it took 25 years to come okay. to accomplishment. Dieu lui a donné la promesse et il a fallu 25 ans pour qu'elle s'accomplisse. Listen to this. Écoutez ceci. When God told Abraham, lorsque Dieu a dit à Abraham, leave your father's house, laisse la maison de ton Abraham père. Abraham had faith for that, he left. Abraham a eu la foi pour cela et il a quitté. But at the same time, God told Abraham, I will give you a seed. Mais au même moment, Dieu a dit à Abraham, je vais te donner une semence. I'll give you a child. Je vais te donner un enfant. But that one was too hard for Abraham to believe at first. Mais cela était trop fort pour qu'Abraham puisse croire. But Abraham went with every step of faith. Mais Abraham est allé avec toutes les étapes de la foi. And he was going step by step. Et il allait d'étape en étape. The Bible says he became fully persuaded. La Bible déclare qu'il a été pleinement persuadé. Can you be fully persuaded?
persuaded of the predestination that God has for you in Christ? Est-ce que tu peux être pleinement persuadé de la prédestinée que Dieu a conçue pour toi? Let's continue. Verse 30, can you read it for us, please? Verset 30 dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. That is you. Ça c'est toi. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Yes, yes. Oui. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. The Bible says that he also glorified them. La Bible dit qu'il les a également glorifiés. What is your perception of glory? Quelle est ta perception de la gloire? You know what limits us is our understanding of the things of God. Vous savez ce qui nous limite, ce sont notre